Avant de laisser la parole à l'abbé Ricossa, je vous invite bien sûr à bien écouter tout ce que l'abbé Ricossa nous dira sur le Sodalitium Pianum, cette entreprise soutenue, voulue par Saint Pie X, cette entreprise du passé, mais qui est très utile pour le présent et surtout pour le futur. C'est le but de cette conférence. Quels enseignements peut-on tirer pour aujourd'hui du Sodalitium Pianum ? Comprendre le présent à l'aide du passé pour savoir quoi faire dans le futur. Vous le savez, on le dit, l'histoire est maîtresse de vie, tout simplement. Si nous connaissions mieux notre histoire, certainement nous ferions moins d'erreurs. Et cela particulièrement pour ceux qui nous dirigent, aussi bien dans le temporel que dans le spirituel. Ce n'est pas seulement que l'histoire est maîtresse de vie. Connaître le Sodalitium Pianum, c'est utile parce que ça a été l'œuvre voulue, appuyée par un très grand pape, Saint Pie X, celui que tous les traditionnalistes prennent comme exemple. Il est donc très utile, je dirais presque nécessaire, de comprendre comment il a agi, lui, il y a un siècle, face à ce même ennemi que nous voyons encore aujourd'hui, le modernisme. Et savoir comment il a agi, donc c'est un peu ce que nous allons essayer de vous expliquer, c'est cette intransigeance dans la foi qu'il a voulu et qu'il a défendue, voir comment il l'a défendue. Monsieur l'abbé Ricossa, je vous laisse la parole. Je donne la bienvenue et mon grand merci à tous ceux qui sont là. Et je voulais tout d'abord m'excuser si je parle très mal le français. Et je fais ce que je peux. D'ailleurs, presque l'un des premiers prêtres que j'ai connus qui m'ont mené dans la vie spirituelle, le père Bariel, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, il venait donner les retraites de Saint-Ignace chez nous, dans notre langue, italien. Et c'était amusant d'entendre en français parler italien. Je m'en rappelle très bien, donc ça pourrait être amusant d'attendre en italien parler en français comme on peut. Ensuite, le sujet a été choisi parce que nous sommes en 2007, c'est-à-dire un siècle exact, le 8 septembre 2007, il y a eu la publication de l'encyclique du pape Saint Pie X, Pascendi Dominici Gregis. C'est une encyclique que je pourrais ni vous lire, ni vous commenter, je l'ai fait ailleurs, à Turin par exemple, parce que toute cette année a été consacrée par l'Institut à solenniser et à vivre en 2007 l'enseignement de Saint Pie X dans son encyclique contre le modernisme. D'ailleurs, peut-être cela m'a échappé, mais je n'ai même pas eu connaissance d'une commémoration officielle venant de ceux qui occupent le trône de Pierre de l'encyclique si important contre l'erreur capitale de nos temps. Quelqu'un pourra dire 1907, un siècle est passé, donc ce n'est certainement plus de l'actualité. Par contre, j'ai la coutume de parler de la guerre des 100 ans, bientôt ça sera la guerre des 101 ans, parce que ça risque pas de finir aujourd'hui, c'est-à-dire la crise que le modernisme a ouvert et qui couvait déjà bien avant 1907 est loin d'être terminée. Je peux citer comme exemple quelqu'un qui n'est certainement pas de notre vie, de notre bord. Maritain a dit, comme vous savez, et je ne le prends pas comme maître, que la crise que nous traversons après le Concile, avec le Concile Vatican II, en comparaison avec la crise du commencement du siècle, maintenant il faut dire le début du XXe siècle, c'était comme un rhume de foin. C'est-à-dire que le modernisme ancien par rapport à la crise d'aujourd'hui, c'était comme un rhume de foin. Alors que Saint Pie X a dit que le modernisme était la cloaque, la réunion de toutes les hérésies, et que malgré peut-être les intentions de ceux qui la soutenaient, elle menait à l'athéisme. Il faut donc penser que la situation que nous vivons
loin d'être belle, est une situation de la plus grande gravité, mais elle n'est que la continuation de la lutte, de la guerre que Saint Pie X et l'Église catholique, et donc notre Seigneur qui est son chef, ont mené contre l'hérésie. L'un des prêtres qui a combattu, je dirais surtout c'était l'un des prêtres de la deuxième, ou voire de la troisième génération, et qui s'approche donc le plus de nous, qui a combattu contre le modernisme en suivant le Sodalitium Pianum, c'est un prêtre dont peut-être la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, le père Geoffroy, qui était membre d'une congrégation peu connue, les Frères de Saint-Vincent de Paul, dont l'un des personnages principaux était le père Charles Maignan, donc si je pourrais et je pense en parler encore. Donc ce père Geoffroy a dit une chose d'une grande importance à mon avis, à propos justement de la question des questions de la foi. En effet, il avait la coutume de dire, et le père Murat, qui était membre de la même congrégation et qui était un très bon théologien, nous le rappelle, il avait l'habitude de dire ceci. Alors le père Murat parle de ce père Geoffroy. Il resta en éveil sur toutes les déviations dont notre temps n'est que trop fecond. Ici le père Murat parlait en 1961. Bien conscient que la vérité divine c'est Dieu même, et que protéger les âmes contre les infiltrations des multiples erreurs de notre temps, c'était sauvegarder leur vie surnaturelle, il n'admettait aucune compromission avec les formes les plus variées du libéralisme et du modernisme. Lui, si bon par nature, se montrait intraitable pour l'erreur, persuadé que la première charité à pratiquer consiste à défendre les âmes contre l'empoisonnement de l'erreur. La corruption demeure, voilà la citation que je cherchais, la corruption demeure, disait-il en substance, est un mal guérissable, mais la perversion de l'intelligence est humainement sans remède, parce qu'elle supprime la racine même de tout bien, qui est la connaissance du vrai. Je répète, la corruption des mœurs, qui pourtant est si grave, est un mal guérissable, mais la perversion de l'intelligence est humainement sans remède, parce qu'elle supprime la racine même de tout bien, qui est la connaissance du vrai. Alors certains disent, vous parlez toujours de la sauvegarde de la foi, ne serait-il pas opportun de nous parler aussi de la vie surnaturelle, des vertus, de la vie chrétienne? Certainement. Mais le gros problème de nos jours est que la perversion des intelligences rend impossible une véritable vie spirituelle, une véritable vie surnaturelle, la pratique des vertus chrétiennes surnaturelles, dont l'importance du combat anti-moderniste. Pourquoi, en parlant de ce combat, s'arrêter sous un aspect, c'est-à-dire le Sodalitium Pianum, qu'en France est mieux connu, par ceux qui le connaissent, sous le nom de Sapinière, ce qui est quand même regrettable, puisque ce n'était pas son véritable nom. Sapinière était seulement le terme codé, dans le langage codé que les membres du Sodalitium Pianum utilisaient pour sauvegarder leur correspondance, donc ce n'était pas le véritable nom de l'association, et ça ne signifie rien de particulier, alors que le véritable nom était Sodalitium Pianum, c'est-à-dire Association Sodalitio Saint Pie V, Pianum, c'est-à-dire de Pie, de Saint Pie V, en l'honneur soit du grand pape Saint Pie V,
soit de Saint Pidis, qui à ce temps-là était le pape régnant et dont le patron était Pie V. Pourquoi s'arrêter donc au Sodalitium Piam? Il est certain que dans l'histoire du pontificat de Pidis, de Saint Pidis, on a tantôt exagéré l'œuvre du Sodalitium Pianum. Les modernistes eux-mêmes du vivant de Pidis, de Saint Pidis, ont exagéré l'activité, l'importance du Sodalitium Pianum, parce qu'on sait bien, quand on ne peut pas parler mal du pape ouvertement, on attaque l'entourage. Alors, l'âme noire, l'éminence grise, était ce Monseigneur Benigni, qui était auquel on attribuait toutes les fautes afin de mieux attaquer Saint Pidis sans le dire. D'autres, par contre, ont diminué l'importance du Sodalitium Pianum en disant « c'était rien du tout, c'était marginal, peu d'importance, il n'y avait qu'une trentaine de personnes qui étaient membres. » En réalité, on peut penser à une centaine de membres prêtres et laïcs. Pourquoi alors ce Sodalitium Pianum, qu'en réalité a eu un rôle, a joué un grand rôle, mais ce n'était pas certainement l'essentiel, le principal? Pour parler du modernisme, il faudrait surtout, je dirais, commenter justement l'encyclique Pascendi. Parce que le Sodalitium Pianum en particulier, et ce qu'en France surtout on appelle l'intégrisme en général, a laissé une blessure, une plaie, qui ne s'est pas encore fermé de nos jours. Un Italien comme moi est étonné quand on entend à la radio aujourd'hui, en parlant ici en France du mouvement que l'on appelle couramment et à tort traditionalisme, on parle plutôt des intégristes. C'est donc une parole qui est restée dans le vocabulaire, surtout chez vous, je le rappelle, et qui est devenu maintenant, en perdant d'ailleurs en partie sa signification originale, l'étiquette, le symbole de tous les fanatismes, de toutes les intolérances. On parle par exemple de l'intégrisme musulman, qui est devenu l'ennemi numéro un. En réalité, il y a peu de monde qui se rappelle encore, surtout dans le grand public, l'origine, la source de cette parole. L'intégrisme, qu'est-ce que c'était? Et certainement, les ecclésiastiques, surtout du temps du Concile, et même d'avant encore plus, avaient une idée de ce qu'il appelait l'intégrisme, à tort encore une fois, nous allons le voir, une idée qui était pour eux le symbole de tous les maux, et certainement une idée de quelque chose qui était absolument à rejeter. Puisque nous sommes à Paris, inutile de rappeler, mais je le fais quand même, la célèbre lettre pastorale du cardinal Suard, me semble déclin ou essor de l'Église, si je ne me trompe, dans lequel, vers 1948 à peu près, était dénoncé comme un gravissime danger l'intégrisme. On se rappelle aussi des livres du père Congar, avant le Concile, quand le pape Pie XII avait mis Congar dans la liste noire, surtout par l'encyclique Humani Generis, donc bien avant que, après le Concile Vatican II, Congar soit créé, entre guillemets, cardinal. Eh bien, Congar aussi, dans son livre vraie et fausse réforme dans l'Église, si je ne me trompe, a un chapitre tout entier consacré à l'intégrisme et à la mentalité de droite, en faisant ici un mélange, une assimilation entre les intégristes et les catholiques, ou en tout cas le mouvement d'action française. Cela avait été déjà fait en 1921-1922, au moment où on voulait en un seul coup frapper les maurassiens et les intégristes, qui en réalité étaient deux choses bien différentes, bien distinctes. De quoi s'agit-il donc? J'étais en train de vous dire que
ce mouvement appelé à tort intégriste avait laissé une forte mémoire. Je citais le cas du cardinal Suard. Je citais le cas du père Conga. Je peux parler d'un autre personnage qui a certainement eu dans l'histoire de l'Église, hélas, j'ajoute, une influence encore plus grande. Ce personnage était un jeune prêtre au temps de Saint-Pédis. Il a fait son séminaire au temps de Saint-Pédis à Rome. Il est devenu prêtre au temps de Saint-Pédis. Il était jeune secrétaire de son évêque et professeur d'histoire au séminaire au temps de Saint-Pédis. Il s'appelle de l'abbé Angelo Giuseppe Roncalli, mieux connu comme Jean XXIII. Personne n'ignore que c'est lui qui a ouvert le Concile Vatican II et avec le Concile la tempête, la crise meurtrière que nous vivons. Quelles étaient donc quelles étaient les relations d'une part de Roncalli avec d'une part le modernisme du jeune Roncalli et d'autre part ce qu'on appelle d'une façon méprisante l'intégrisme. Les épisodes sont nombreux. Par exemple, est bien connu, je l'ai d'ailleurs publié, la lettre que le nonce en France, Roncalli, avait écrit à la veuve de Marc Panier, le fondateur du Sion, ce mouvement démocrate chrétien condamné par Saint-Pédis. Roncalli, écrivant à la veuve Sagnier, lui parle de la sympathie, du charme, de l'influence que Sagnier a eue sur lui quand il était un jeune prêtre. Et Sagnier, certainement, était mêlé, et de près, au mouvement moderniste. Buonaiuti était, lui, un prêtre, le chef de file du modernisme italien. On a remarqué qu'il était le prêtre assistant de Roncalli à sa première messe. Il était aussi son condisciple au séminaire à Rome. En cela, pourrait-on dire, il n'y a aucune faute pour l'abbé Roncalli. On ne choisit pas ce compagnon de séminaire, bien qu'on choisit son prêtre assistant. Mais nous avons un témoignage qu'on ne peut pas accuser d'être contraire à l'abbé Roncalli à Jean XXIII. Le témoignage du politicien, de l'homme d'État italien, Giulio Andreotti, qui a été de nombreuses fois chef du gouvernement, ainsi que ministre, et éminent personnage, encore vivant d'ailleurs, sénateur à vie de la démocratie chrétienne. Andreotti a écrit un livre qui s'appelle « I quattro del Gesù », « Les quatre du Jésus ». Jésus, c'est l'église de Rome, dans lequel quatre amis se réunissaient, ils allaient ensemble. Parmi ces quatre, dans tous ces quatre, étaient, au dire même de cet homme, étaient des sympathisants du modernisme, étaient des modernistes. Buonaiuti était l'un d'eux et l'autre Roncalli. En parlant de Buonaiuti, Andreotti disait « Il n'a pas su attendre ce que Jean XXIII a fait. » Un ami intime de Monseigneur Roncalli, Monseigneur Testa, a raconté, et Romano Amerio l'a rapporté, comment un jour des séminaristes, parmi lesquels Roncalli ou des jeunes prêtres, se trouvait pas loin de la résidence de Fogazzaro, l'auteur du roman Il Santo, dans lequel les modernistes proposaient un peu, parlaient de leur complot pour prendre le pouvoir dans l'Église. Non pas par une révolution, mais par l'approbation de l'autorité. Buonaiuti parlera d'une révolution orthodoxe, c'est-à-dire approuvée légalement. Eh bien, la réaction de Roncalli face à la proposition de ses camarades d'aller rendre visite à ce Fogazzaro, qui était évidemment bien aimé par eux,
a été prudente. Il vaut mieux que non, parce que les supérieurs pourraient mal voir cela. Mais pas du tout de réaction disant, Fogazzar, il ne faut pas le fréquenter. Bien connu aussi deux épisodes qui ont eu lieu par une intervention de Rome même. Le cardinal Gaetano Delai, qui a été le grand protecteur du Sodalizium Pianum dont nous allons parler, et qui était l'homme fort du pontificat de Pie X, bien plus que le cardinal Merry del Val, le cardinal Delai dut intervenir vis-à-vis du jeune Roncalli, le jeune prêtre, parce que il avait su qu'il enseignait, il donnait donc ses cours d'histoire avec les textes de Monseigneur Duchesne qui avait été mis à l'index. Et lire la correspondance de Monseigneur Duchesne est très instructif puisqu'on y voit l'esprit mondain, rationaliste, très hostile à Saint Pie X. Roncalli répondit en disant qu'il n'était absolument pas vrai, que jamais il n'avait enseigné avec Duchesne, qu'il n'avait que feuilleté quelques pages, mais d'autres documents prouvent le contraire. Un autre épisode, ce jeune prêtre, envoyé par son évêque, assista à une conférence donnée par le père Matiussi, un jésuite thomiste, c'est encore rare mais il y en a, un jésuite thomiste qui était très estimé par Saint Pie X, et qui faisait donc partie de ce mouvement que les ennemis appelaient intégriste, et qu'il faut par contre appeler catholique intégral. Monseigneur Benigni, le fondateur du Sodalizium Pianum, a refusé toujours l'étiquette de intégriste, comme d'un mouvement, d'un parti. Mais il a dit, nous sommes des catholiques intégraux, et cela ne signifie rien d'autre que intégralement catholique. Pour rappeler qu'on ne peut pas être catholique à moitié, en gardant certaines vérités et en oubliant ou en niant d'autres. Voilà donc que ce père Matiussi, que Saint Pie X aurait voulu, et il l'aurait fait s'il n'était pas mort avant, et aurait voulu à la tête de la compagnie de Jésus, ce père Matiussi se rendit à Bergame pour parler justement de la situation et du danger moderniste. Le rapport que l'abbé Roncalli fit à son évêque était d'hostilité, presque de incompatibilité de caractère avec le père Matiussi. Donc un malaise, un esprit de refus, de fermeture vis-à-vis de ces catholiques qui voulaient vraiment garder intégrale la foi et qui étaient par conséquent conscients du danger moderniste. Un autre épisode qui vient d'être connu parce qu'on vient de publier deux gros volumes dans lesquels il n'y a pas tous les documents bien sûr, de celle que l'on appelait la secretariola, c'est-à-dire la secrétaire privée de Saint Pie X. Il y avait Monseigneur Bressan qui la dirigeait. Alors tous les bons, si l'on peut dire, s'adressaient directement à Saint Pie X par Monseigneur Bressan afin que le pape puisse intervenir, puisque le mal était partout. Alors on y lit, entre autres, une lettre venant donc de Saint Pie X lui-même à l'évêque de Bergame, dans laquelle le pape se plaignait des jeunes prêtres de Bergame, de son diocèse, qui avaient étudié à Rome, qui étaient revenus à leur maison, c'est-à-dire auprès de l'évêque de Bergame, et qui, à ce que Saint Pie X savait, était justement sympathisant du modernisme. Une note nous dit que de ce prêtre il n'y en avait que trois, et l'un des trois était Roncalli. Encore récemment, un livre qui s'intitule « Un chrétien sous le siège de pierre », comme si c'était le premier chrétien sous le siège de pierre, nous donne plusieurs écrits, plusieurs lettres authentiques de Roncalli aussi, jeune, dans lesquelles il se démontre imbibé de l'américanisme. C'est une erreur que Léon XIII a condamnée, dans laquelle, c'est encore, je dirais, encore plus l'esprit de Roncalli que le modernisme spéculatif qu'il y a eu chez nous, par exemple celui dans l'Oisie, parce que c'est un état d'esprit optimiste, typiquement américain, voulant à tout prix concilier
le catholicisme avec le monde moderne qui est né de l'illuminisme, des Lumières, parce que les Lumières, rappelons-nous, ce n'est pas seulement en France, mais aussi avec des nuances, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, en Allemagne. Eh bien, vous me direz pourquoi cette longue liste, et je termine par une dernière, l'épisode du cardinal Ferrari. Vous savez que le cardinal Ferrari était le cardinal archevêque de Milan. Des catholiques, justement, intégraux, le journal La Riscossa, dirigé par trois frères prêtres, les frères Scotton, amis personnels de Saint-Pédis, vraisemblablement sur suggestion de Monseigneur Benigni et du cardinal Delaye, avait lancé une campagne de presse contre le séminaire de Milan, appelé « pépinière de modernistes ». Alors, ça a été un scandale. Et ça a été un peu de temps, un affrontement, même directement, entre le cardinal Ferrari et Saint-Pédis. Au moment de la canonisation de Saint-Pédis, on avait objecté que Saint-Pédis ne pouvait pas être béatifié parce qu'il avait été trop dur et ingrat vis-à-vis du cardinal Ferrari. Et justement, la disquisitio, c'est-à-dire un supplément d'enquête fait par la congrégation des rites, donc par la curie romaine, avait pour but de voir si Saint-Pédis pouvait être béatifié et canonisé, étant donné le soutien qu'il avait donné à ces affreux catholiques intégraux, parmi lesquels Monseigneur Benigni et le Sodalizium Pianum, parmi lesquels les frères Scotton qui avaient si violemment attaqué le cardinal Ferrari. Alors, évidemment, la décision de Rome, la décision de l'Église a été Saint-Pédis, Pédis est un saint. Et donc, ce qu'il a fait avec le Sodalizium Pianum, ce qu'il a fait en soutenant les catholiques intégraux, est digne de canonisation. Dès que Jean XXIII a été élu, il a voulu lui-même, personnellement, l'ouverture du procès de béatification, de canonisation du cardinal Ferrari, qui a abouti avec Jean-Paul II, maintenant le cardinal Ferrari est considéré bienheureux, voyez-vous. Et évidemment, comme pour Saint-Pédis, il a fallu faire une enquête pour résoudre le problème. Comment est-ce possible? Si Pédis est saint, Ferrari ne peut pas l'être. De même que, si Ferrari était un saint, Pédis ne pouvait pas l'être. Il y a les études très sérieuses d'ailleurs de Schneider à ce propos, ce sont trois gros volumes sur ce sujet, qui évidemment ont décidé un tournant dans l'historiographie catholique. C'est-à-dire, alors que jusqu'à ce moment on disait Saint-Pédis avait eu raison, maintenant on dit Pédis avait eu tort. Cela résulte du procès de béatification du cardinal Ferrari. Quand Jean XXIII a voulu la béatification du cardinal Ferrari, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu faire un contre-procès. Un procès qui, implicitement, est un procès de décanonisation de Pédis. Et justement, le point qui encore, quand Pédis était mort en 1914, n'est-ce pas? Donc le temps avait passé, mais pas pour lui. Pas pour ceux qui avaient vécu de loin ou de près cette bataille qui avait laissé tant de blessés, tant de morts, tant de plaies encore ouvertes, tant de douleurs. Le temps qui a passé, le temps a donné raison à qui? Parce qu'il faut savoir que l'un des grands malheurs, et nous vivons le grand malheur du modernisme au plus haut sommet de l'Église, non pas que l'Église est moderniste, où ceux qui occupent les places sont l'autorité, loin de là. Mais de fait, ils ont, alors que Saint-Pédis avait dit, les modernistes sont dans les entrailles, dans les veines, dans le sein même de l'Église, c'est-à-dire s'y cachant dedans, comme une tumeur, n'est-ce pas? Eh bien, la tumeur qui avait été extirpée par Saint-Pédis avec Pascendi et avec des mesures pratiques dont je vais parler, cette tumeur n'a pas été soignée comme il le fallait après le pontificat de Pédis. Je ne veux pas par là dire que les papes qui ont succédé à Saint-Pédis
ont failli ou ont commis la moindre erreur dans leur enseignement. Je ne suis pas du côté des faillibilistes, ceux qui disent le pape se trompe. Mais je dis par contre, et cela est bien possible, que chaque pape a bien sûr, selon sa personnalité et les lumières et qu'il a, un gouvernement, c'est-à-dire une pratique de gouverner différente l'une de l'autre. Cela, il n'y a pas de doute. Parfois, il y a plusieurs papes qui continuent dans une même ligne, et d'autres qui pensent que le moment est venu de changer. Le successeur de Pie X, Benoît XV, a certainement voulu changer. Il a voulu donner un coup d'arrêt à ce que l'on appelait les catholiques intégrants. Et cela est reconnu par tout le monde, par les modernistes, par les intégristes, par les historiens de l'Église. Il y a donc des documents qui le prouvent plus clair que le soleil. Tous ceux qui avaient été aux côtés de Saint Pie X, peut-être en certains cas exagérés, peut-être parfois ils avaient frappé à côté, Saint Pie X n'avait pas manqué quelquefois de leur tirer les oreilles, mais qu'il les avait toujours aimés et soutenus de toutes les façons, ont été écartés, et parfois ils ont même beaucoup à souffrir, sous le pontificat successif. L'idée qu'on s'était fait était que le modernisme était mort. J'ai eu l'occasion de citer une discussion entre le marquis Crispolti, qui faisait partie d'une famille noble romaine qui depuis des générations était proche du Vatican, mais il était un grand ami du futur Benoît XV, et Pie X lui-même, lui disant « Saint-Père, grâce à Pascendi, le modernisme est mort, félicitations ». Et Pie X de lui dire « Le croyez-vous vraiment ?» Alors, Crispolti de lui dire, mais bien sûr, bien sûr. Et puis il dit non, 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 non. Il est loin d'être mort. Et même il était pessimiste. Puis il se disait, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'était mon devoir. Mais il voyait le danger croissant, au point que dans le dernier consistoire tenu en 1914, peu de mois avant sa mort, Saint Pie X lança comme un cri de détresse, disant que le mal qu'il avait dénoncé dans l'encyclique Pascendi comme atteignant les prêtres, atteignait maintenant, disait-il, il parlait de marins, n'est-ce pas, le bateau de pierre, les marins et les pilotes eux-mêmes. C'est ce que les catholiques intégraux soulignaient. Le mal est arrivé jusqu'au niveau des évêques. C'est pourquoi nombreux d'entre eux dénonçaient une nouvelle erreur qu'ils appelaient épiscopalisme, c'est-à-dire que les évêques ne suivaient plus le pape, ne suivaient plus Pie X, ne suivaient plus Rome, et ils voulaient imposer dans le diocèse, évidemment, une ligne qui était modernisante et qui était tout le contraire, l'opposé de la ligne de Pie X. C'est pourquoi des prêtres qui étaient éventuellement soutenus directement par Pie X et par Rome étaient sanctionnés par leur propre évêque dans leur diocèse. Par exemple, l'évêque de Paris, se servant de la commission de vigilance que Saint Pie X avait voulu pour combattre le modernisme, combattait les ennemis du modernisme et il les envoyait à la campagne curer d'un petit village de 150 personnes, pour dire, n'est-ce pas, les éloignant ainsi de Paris. Eh bien, à partir de Benoît XV, certainement la doctrine de l'Église a demeuré immaculée, ses dogmes ont été sauvegardés, mais cette décision très concrète de Saint Pie X de combattre le modernisme non seulement dans ses idées, par l'enseignement infaillible, mais aussi le combattre dans ses hommes. Cette décision a été, je ne dis pas tout à fait abandonnée, évidemment des censures, des sanctions ont été prises, mais en partie abandonnée. On avait cru donc que le modernisme était mort, qu'il fallait arriver à une conciliation, qu'il ne fallait pas continuer comme les intégristes faisaient avoir des modernistes partout, et donc que le problème était somme toute résolu. Et je vous disais donc, et je reviens à ce point, l'histoire a donné raison à qui? Eh bien, si parfois on a pu croire que ces catholiques intégraux exagéraient,
il faut penser aujourd'hui qu'ils n'en disaient pas assez. Qu'en réalité, le mal était bien plus profond que eux-mêmes ne l'avaient pensé. Parce que, évidemment, le moderniste avance caché. Et il ne montre pas son véritable visage, justement par sa caractéristique essentielle qui la différencie d'autres hérésies. Il le rapproche seulement du jansénisme et des anciens maranes, hein, c'est-à-dire de vouloir, et aussi d'une hérésie du XVIe siècle que le pape Paul IV et Saint Pie V avaient combattu de toute leur force, celle de Valdès. Ils avancent cachés, déguisés, sans dire ouvertement ce qu'ils pensent. Eh bien, l'histoire nous montre, avec Vatican II, mais déjà avec la nouvelle théologie que Pie XII a condamnée vers la fin de son règne, que le modernisme a fait comme ces animaux, lesquels, se sentant en danger, font semblant d'être morts, afin de pouvoir échapper à celui qui le pourchassait. Saint Pie X avait bien compris que les erreurs ne sont pas seulement dans les livres, dans les écrits, dans les théories, mais ils sont véhiculés, colportés par des personnes. Et que l'Église n'aurait pas échappé à ce danger, d'autant plus grave qu'il se cachait dans les séminaires et qu'il atteignait déjà plusieurs évêques, que si on arrivait à exclure des séminaires et des postes de responsabilité, les modernistes, et non seulement, et tous ceux qui, de loin ou de près, sympathisaient avec les modernistes. Et justement, le serment anti-moderniste supprimé par Paul VI, la commission de vigilance, les visites apostoliques que Saint Pie X a voulu faire, par exemple, dans presque tous les diocèses d'Italie et ailleurs, pour contrôler ce que les évêques faisaient, pour mettre en règle les désordres que les évêques ne corrigeaient déjà plus. Tout cela avait été décidé par Pie X, déjà même la décision de destituer, par exemple, ses frères de Saint Vincent de Paul, dont je vous ai parlé, qui était le fruit de ce catholicisme antilibéral du XIXe siècle, qui avait fait beaucoup et beaucoup dans la question sociale. Hein. L'oncle du père Charles Maignan, dont je vous ai parlé, Maurice Maignan, était le père du catholicisme, ça dans le bon sens, donc dans le sens tout à fait intransigeant au XIXe siècle. Eh bien, le supérieur de cette congrégation des frères de Saint Vincent de Paul était devenu, en se détournant tout à fait de la tradition, hein, le père Anizan. Et voilà que Saint Pie X, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de faire une visite apostolique, d'en faire une visite à la congrégation des frères de Saint Vincent de Paul, c'est une congrégation française. La visite a été confiée sur demande d'un membre éminent des frères de Saint Vincent de Paul, le père Maignan, qui était membre de la diète du Sodalizium Pianum, confié au secrétaire du Sodalizium Pianum, le père Soba, un autre français, et voilà que le résultat de la visite était la destitution du supérieur général. Cela a été dans le petit, puisque les frères de Saint Vincent de Paul étaient une petite congrégation, mais importante. Elle s'occupait de la question ouvrière, elle s'occupait du peuple, par les œuvres sociales. Mais Saint Pie X voulait le faire avec la Compagnie de Jésus, figurez-vous, en destituant le père Vence, qui est mort plus ou moins le même moment de Pie X, et le remplaçant par le père Matthius. Donc, qu'est-ce que c'était ça? C'était une volonté claire, arrêtée, de remplacer les hommes, d'enlever ceux qui, sans être peut-être ouvertement hérétique ou moderniste, avaient des sympathies, des faiblesses, en penchant, ne pouvaient pas être des bons soldats dans la lutte, avaient un esprit de sympathie pour les ennemis et d'hostilité pour ceux qui défendaient la foi. C'est un état d'esprit. Un état d'esprit que Monseigneur Benigne, dans le programme du Sodalizium Pianum, dénonce, en montrant donc le caractère pratique aussi de ce programme. C'est un programme dont je tâcherai de vous en donner un aperçu.
Et voilà ce qu'il dit. Donc c'est le point 17. C'est un programme en 18 points. Le point 17, c'est certainement pas le plus spéculatif, mais ça vous montre l'état d'esprit des catholiques intégrants comme Monseigneur Benigni et par exemple de l'autre côté dans Jean 23. Alors, nous sommes contre la manie ou la faiblesse de tant de catholiques de vouloir paraître conscients et évolués, vraiment de leur temps. Et bon enfant, en face de l'ennemi brutal ou hypocrite, mais toujours implacable. Tout prêt, ces catholiques bons enfants, tout prêt à étaler leur tolérance, à rougir, sinon à médire, des actes de juste rigueur accomplis par l'Église ou par elle, tout prêt à un optimisme systématique envers les pièges de l'adversaire et réservant leur méfiance et leur dureté pour les catholiques romains intégraux. Nous avons là le portrait de Jean XXIII et de l'esprit du Concile. Je ne dis pas de la doctrine, nous en parlerons à la conférence qui y suivra, mais de l'esprit. Contre une attitude juste et convenable. Juste, même vis-à-vis de l'ennemi, il ne faut pas se servir de calomnie, de mensonge, de fausseté. Juste, une attitude juste et convenable, mais toujours franche, énergique et inlassable vis-à-vis de l'ennemi, de ses violences, de ses ruses. Voilà un esprit de combat qui dénonçait la fausse tolérance des soi-disant catholiques libéraux et modernisants. Catholiques qui se disaient tolérants, mais qui en réalité, nous allons le voir en parlant de la fin du Sodalizium Pianum, étaient strictement intolérants. À tous les catholiques qui se disaient intégralement catholiques, et Saint-Pédis a répété plusieurs fois ces paroles, jusqu'au dernier consistoire de 1914, pas tous appartenaient au Sodalizium Pianum. Par exemple, l'abbé Barbier, ou père Barbier avant, est-ce qu'il avait été jésuite, Monseigneur de Lassus, étaient des amis du Sodalizium Pianum, mais n'en faisaient pas partie. D'autres, tel qu'un personnage qui mérite d'être cité à cause de l'importance qu'il a eue dans le passé, le père Salvien, qui a été, peu de monde le sait, le fondateur de la documentation catholique, était un grand ami et peut-être, on ne sait pas, un membre du Sodalizium Pianum, même si Mgr Benigni l'a toujours nié et les ennemis du Sodalizium l'ont toujours pensé. Il fut éloigné de ce poste de responsabilité, alors qu'il était très estimé sous Pédis, quand il y eut le pourparler avec le gouvernement français pour les associations diocésaines. Donc, il y avait des personnages importants, mais pas tous faisaient partie du Sodalizium Pianum. Le Sodalizium Pianum, donc, n'a été qu'une partie du mouvement intégralement catholique qu'on peut appeler le mouvement le plus près de Saint-Pédis. Parmi ceux qui ont voulu défendre son programme, son idée, ses buts. Mais le Sodalizium Pianum était certainement l'association, c'est-à-dire les autres étaient isolés, alors que l'association et que le Sodalizium était une véritable association. Pour son fondateur, Monseigneur Umberto Benigni, qui avait été un personnage de marque du catholicisme intransigeant italien sous Léon XIII, et qui était un personnage important de la culture catholique de l'époque, enseignant à Rome l'histoire ecclésiastique, pour Monseigneur Benigni, le Sodalizium Pianum devait être quelque chose que nous dirions aujourd'hui d'extrêmement moderne. Il pourrait être comparé à un institut séculier, dont les membres étaient dans la direction des prêtres, mais aussi il y avait de nombreux laïcs. Le Sodalizium Pianum
association Saint-Pilis ou Saint-Pissin ou Sapinière, comme on dit plutôt chez vous, avait la chance d'avoir justement à sa tête un homme comme Monseigneur Benigni. Parfois on dit les intégristes, des ignorants, des rétrogrades. En réalité, la personnalité de Monseigneur Benigni est absolument à l'opposé de cela. Il était, parmi les enseignants d'histoire ecclésiastique, parmi ceux qui étaient à l'avance dans les méthodes, mais en ayant toujours, évidemment, un esprit intégralement catholique. Pour vous donner un exemple de l'esprit de Monseigneur Benigni dans ce domaine, voilà dans le programme ce qu'il dit à propos de l'exégèse. Évidemment, le modernisme naissait presque dans la critique biblique. Pensons à Loisy, qui est certainement le personnage de pointe du modernisme. Par la critique biblique exagérée, on en arrivait à la négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Monseigneur Benigni, en écrivant à ce propos, il écrit au point 14 « Contre l'enseignement philosophique, dogmatique et biblique modernisé, qui quand même il n'est pas tout à fait moderniste et tout au moins rendu pareil à un enseignement archéologique ou anatomique, c'est-à-dire purement profane. Comme s'il ne s'agissait pas d'une doctrine immortelle et vivificatrice que tout le clergé, sans exception, doit apprendre surtout pour son ministère sacerdotal, mais pour l'enseignement ecclésiastique inspiré et guidé par la glorieuse tradition de la scolastique, de saints docteurs de l'Église et des meilleurs théologiens du temps de la contre-réforme. Jusqu'ici, on dirait, ben, c'est normal, donc c'est un typique programme catholique rétrograde, la contre-réforme, la scolastique, etc. Avec toutes les aides sérieuses de la méthode et de la documentation scientifique. Voyez-vous ? Ça, c'est une remarque qui montre l'esprit tout à la fois intégralement catholique, intransigeant sur l'orthodoxie, ennemi numéro un de toute erreur, et dans le même temps, l'ouverture d'esprit dans le bon sens, pour lequel justement cet homme d'études et de culture voulait que la doctrine scolastique et de la meilleure tradition soit aidée, poursuivie et continuée par les aides sérieuses de la méthode et de la documentation scientifique. Monseigneur Benigni était un homme moderne aussi dans le bon sens. Par exemple, il a été le premier à inventer la salle de presse du Vatican. Non pas parce qu'il estimait les journaux, même s'il était lui-même un journaliste, entre autres, en plus que prêtre bien sûr, et tout d'abord prêtre, mais parce qu'il avait compris que par la salle de presse vaticane, il y avait dans les journaux plein de journalistes qui devaient écrire des choses d'église et qui ne savaient pas ce qu'il fallait dire, ignorant presque tout. Alors il a dit, si nous leur donnons des renseignements déjà tout prêts, déjà bien faits, dans lesquels nous donnons la ligne qu'il faut suivre, qui est celle de Pilis, ces journalistes-là, ils vont prendre tel quel le renseignement que nous leur donnons. Alors nous allons faire ce que plus tard sera appelé une salle de presse. Monseigneur Benigni était un homme qui connaissait plusieurs langues, il parlait très bien l'allemand, le français, l'anglais, l'italien bien sûr c'était sa langue maternelle, il connaissait le monde catholique allemand, des Pays-Bas, des États-Unis, il circulait, il allait partout et il avait une grande envie donc de lutter pratiquement, mais il se dit... Il faut penser, de ce temps-là, et de nos temps encore plus, il n'y avait plus d'inquisition. Qu'est-ce que c'était l'inquisition ? C'est-à-dire que plus haut que les évêques, il y avait ces hommes qui venaient directement de Rome pour veiller sur la pureté de la foi. Mais cela n'existait plus. Alors il fallait fonder, pensait-il, une association discrète que les modernistes vont accuser d'être une association secrète. Mais ce n'est pas la même chose. Une association secrète est une association dont les autorités ne savent rien, qui se fait à l'insu de l'autorité. Alors qu'une association discrète, c'est une association qui est au service de l'autorité, on parlera peut-être même des services secrets si vous voulez, mais enfin, dont les agissements, les membres, etc., sont parfaitement connus de l'autorité, au service de quel on travaille.
Le Sodalizium Piano n'était pas une association secrète. On l'a accusé parce que les étrangers ne connaissaient pas les membres, parce qu'ils faisaient usage d'un code dans leurs lettres, etc. Et donc, il disait que c'est une association secrète, une sorte de maçonnerie dans l'Église. Mais il n'y a pas d'association secrète quand cette association était louée, encouragée par le pape Pie X, qui l'a financé, et dont les membres, le programme et les statuts étaient connus par Pie X, par le cardinal Deray, par la Curie. On ne peut donc pas parler, et c'est une calomnie, d'une association secrète. Mais c'était bien une association qui devait recevoir des tâches importantes pour pouvoir justement découvrir les complots et les menées des modernistes. Et pour cela, parfois, il ne fallait pas être connu. Donc le but était justement combattre l'ennemi, comme disait Pie X, Monseigneur Benigni, l'ennemi interne et externe. Dans plusieurs lettres de bénédiction du Sodalizium Piano, Pie X parlait, comme d'ailleurs Monseigneur Benigni, d'ennemis internes et externes. C'était qui les ennemis internes et les ennemis externes? Après avoir expliqué le terme de catholicisme intégral, il dit « Nous sommes des catholiques romains intégraux » et puis il dit « Notre mouvement est papiste, clérical, antimoderniste, antilibéral, antisectaire, contre la maçonnerie, donc il est intégralement contre-révolutionnaire parce qu'il est l'adversaire non seulement de la révolution jacobine, et du radicalisme sectaire, sa évolution qui a eu lieu surtout ici, mais également du libéralisme religieux et social. Donc c'est plutôt la révolution anglaise du libéralisme. Il reste absolument entendu qu'en disant catholique romain intégral, on n'entend point modifier d'une façon quelconque le titre authentique et glorieux de catholique romain. Le mot intégral signifie seulement intégralement catholique. Bon, je saute. Je passe donc à d'autres points. Le numéro 3, nous considérons comme des plaies dans le corps humain de l'Église. L'esprit est le fait du libéralisme et du démocratisme soi-disant catholique, aussi bien que du modernisme intellectuel et pratique, radical ou modéré, avec leurs conséquences. Un autre point, on parle du Saint-Siège, le numéro 5 évidemment, qui est le centre de tout, et puis, voilà, point 6, dans notre observation et dans notre action, nous nous plaçons surtout au point de vue catholique, c'est-à-dire universel, soit dans le temps, à travers les différents moments historiques, soit dans l'espace, à travers tous les pays. Nous savons que dans les contingences momentanées et locales, il y a toujours, au moins dans le fond, la lutte séculaire et cosmopolite entre les deux grandes forces organiques. D'un côté, l'unique Église de Dieu catholique romaine, de l'autre côté, les adversaires du dehors et du dedans. Ceux du dehors, les sectes judéo-maçonniques et leurs alliés directs, soit dans la main du pouvoir central de la secte, sont dans les mains du pouvoir central de la secte. Ceux du dedans, modernistes, démo-libéraux, etc., lui servent d'instruments, conscients ou inconscients, d'infiltration et de décomposition parmi les catholiques. Le point 7. Nous combattons la secte du dedans et du dehors, toujours et partout, sous toutes ses formes et par tous les moyens honnêtes et opportuns. Dans les personnes des sectaires du dedans et du dehors et de leurs complices, nous combattons seulement la réalisation concrète de la secte, de sa vie, de son action, de ses plans. Cela, nous entendons le faire sans rancune envers nos frères égarés, comme aussi sans aucune faiblesse et sans aucune équivoque, comme un bon soldat traite sur le champ de bataille tous ceux qui combattent sous le drapeau ennemi, leurs aides et leurs complices. Après, il y a les points, dont l'un des points principaux, qui était le point, je dirais presque principal du pontificat de Pie X, la confessionnalité. Il faut que toutes les œuvres soient confessionnales. C'est l'application du règne social du Christ roi. Confessionnalité dans l'État. Il faut que l'État soit catholique.
confessionnalité en politique. Il faut que le mouvement catholique soit catholique et non pas aconfessionnel comme la démocratie chrétienne condamnée par Saint-Pie X, Dansanier et Romolo Murri. Confessionnalité dans les syndicats. Et c'est justement les syndicats aconfessionnels allemands qui ont tiré le mauvais coup à Monseigneur Benigni par, eux, vraiment, des moyens illicites et d'espionnage. Confessionnalité dans les œuvres de jeunesse. Et justement, la lutte des catholiques intégraux contre le mouvement scout, qui date de 100 ans aussi, est donnée par ceci, que le mouvement scout venait, justement, était un mouvement interconfessionnel, puisqu'il venait de l'anglicanisme, de la théosophie, de la maçonnerie anglaise, et après, il réunissait des jeunes, des enfants, de toutes les religions, voyez-vous, et le scoutisme catholique voulu par les jésuites était seulement une forme de scoutisme qui faisait partie de la grande famille scout, qui catholique ne l'était pas. Alors voilà, confessionnalité en toute chose. Alors, contre l'interconfessionnalisme, le neutralisme, le minimalisme religieux, dans l'organisation et l'action sociale, dans l'enseignement, aussi bien que dans toute activité de l'homme individuel et de l'homme collectif, laquelle relève de la vraie morale, et donc de la vraie religion, donc de l'Église. C'est-à-dire, toute activité de l'homme dépend de la morale. Tout ce que l'homme fait est bon ou mauvais. La morale dépend de la religion. La religion dépend de l'Église. L'Église, il n'y en a qu'une vraie, donc aucune œuvre associée et individuelle de l'homme ne peut être interconfessionnelle ou aconfessionnelle. Tout doit être catholique. Voilà. La politique aussi. Pour la confessionnalité dans tous les cas prévus dans la linéa précédente. Voilà. Contre le point 10. Le syndicalisme ouvertement ou implicitement a-religieux, neutre, amoral, qui amène fatalement la lutte antichrétienne de classe, contre le démocratisme même quand il s'appelle chrétien, contre le libéralisme même quand il s'appelle économico-social, et puis pour l'harmonie des classes, etc. Bon, contre le nationalisme païen, qui fait pendant au syndicalisme a-religieux, l'un considérant les nations comme l'autre les classes, c'est-à-dire des collectivités dont chacune peut et doit pousser amoralement ses intérêts propres, complètement en dehors et à l'encontre de ceux des autres, etc. Et alors, tout cela est exploité, alors, et en même temps, contre l'antimilitarisme, le pacifisme utopiste, exploité par la secte dans le but d'affaiblir et d'endormir la société, sous le cauchemar judéo-maçonnique. Pour le patriotisme saint et moral, patriotisme chrétien dans l'histoire de l'Église catholique, nous a donné toujours des exemples splendides, etc., etc. Contre la doctrine, contre le fait profondément antichrétien de la séparation entre l'Église et l'État, aussi bien qu'entre la religion et la civilisation, la science, la littérature, l'art. Alors, il faut savoir quel a été le jugement de l'Église à propos de ce programme. Ah, il faut savoir que Saint-Pie X, même si le Sodalitium Pianum n'a jamais été approuvé canoniquement en voie définitive, mais il avait déjà eu une sorte de decretum laudis, donc de louange qui venait de la congrégation consistoriale, et a été béni trois fois par Saint-Pie X. Et dans le procès de béatification de Saint-Pie X, la congrégation des rites, dans la personne du père Antonelli, approuvée par Pie XII, déclare « Le programme du Sodalitium Pianum est d'une importance capitale. » Je viens de vous le lire, pas tout, mais en bonne partie. « La lettre et l'esprit en sont louables, sans l'ombre d'un doute. » Mais surtout, il faut souligner que le programme répond aux idées et aux intentions de Pie X, qui voulait le conduire le monde à la pleine restauration dans le Christ, sans aucun compromis d'aucune sorte. 29 juin 1950, pas avant Jésus-Christ, mais après Jésus-Christ. Alors je vous ai lu le programme, si c'était moi qui l'ai fait aujourd'hui, je finirais en prison.
Et je cite, c'est un vieux programme, n'est-ce pas, que la congrégation des rites a loué et Saint-Pédis a approuvé, donc il faudra mettre en prison Saint-Pédis, n'est-ce pas, et c'est un peu difficile. Et cela pour vous rendre compte, nous avons fait, donc nous faisons notre ce programme parce que nous pensons que c'était, comme la congrégation des rites a dit, le programme de Saint-Pédis, tout restauré dans le Christ. Instaurare ogni Cristo. Un mot final, la fin du Sodalizium Pianum. Alors, Benigni avait eu, Monseigneur Benigni avait eu plusieurs missions par Saint-Pédis, il a découvert plusieurs réseaux de modernistes. Mais voilà que la catastrophe arrive en 1914. Août 1914, deux événements terribles. L'attentat de Sarajevo, à laquelle la franc-maçonnerie tue l'héritier au trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand. Au contraire de François Joseph, qui était imbibé d'idées joséphinistes, et donc qui n'était pas bien du tout, François Ferdinand était intégralement catholique. Jean-Pierre avait dit, vous êtes l'espoir. Et justement, on l'a éliminé, la première guerre commence, ça sera une catastrophe. De là aussi, nous n'en sommes pas encore sortis, n'est-ce pas, de cette guerre. Dans le même temps, au mois d'août, éclate la Grande Guerre, et peu de jours après, Saint-Pédis meurt. Sodalizium Pianum n'a plus d'activité avec la guerre, et reprend ses activités après la guerre. Et il n'y a plus que peu de monde, et les temps ont profondément changé. Mais le cardinal Delay veut que ça continue. Alors, les ennemis, parce que les ennemis ne dorment pas, qui ont accusé le Sodalizium Pianum de moyens déloyaux, d'être une secte, d'agir par des moyens, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Il y avait le mouvement de Cologne. En Allemagne, il y avait deux mouvements du catholicisme qui s'occupaient de la question sociale, celui de Berlin qui était pour la confessionnalité, celui de Cologne qui était aconfessionnel et libéral, donc démocrate chrétien. Ce sont eux qui décide d'avoir la peau de Monseigneur Benigni. Il savait qu'un l'un des membres du Sodalizium Pianum, l'avocat Jongs, qui vivait à Gand, en Belgique, avait tous les documents. Un prêtre hollandais qui le fréquentait, faisant semblant d'être ami alors qu'il ne l'était pas, les avait bien renseignés. Il profite alors de la guerre. L'Allemagne occupe la Belgique et ses militants allemands de la démocratie chrétienne, du modernisme, calomnie Monseigneur Benigni en disant c'est un agent de la France et de la Russie, alors que les modernistes français disaient c'est un agent de l'Allemagne. En réalité, c'était un agent de l'Église, voyez-vous. Alors, les Allemands sont amenés à faire une perquisition chez Monsieur Jongs, mais c'est très curieux qu'une perquisition faite par le gouvernement d'occupation allemand. Et les documents finissent non pas dans les mains du gouvernement, mais dans les mains des prêtres privés. Ces prêtres hollandais gardent les documents jusqu'à la fin de la guerre, et c'est à ce moment-là que les jésuites français de la revue Études s'occupent de publier, de faire connaître tous ces dossiers, évidemment réservés, très discrets, pour faire une campagne contre le Sodalizium Pianum, pour le supprimer. Ils se servent d'un Sulpicien, l'historien Mouret, d'Herbigny, le père d'Herbigny, le père de Grand Maison, etc., prennent contact avec le cardinal Gasparri, hein, qui était à Rome, et voilà que le coup réussit. Dans le changement des moments, le Sodalizium Pianum, on leur demande donc de se dissoudre, mais on n'arrive pas à le condamner, on ne le condamne pas. On leur demande seulement de cesser leur activité, étant donné le changement des circonstances. Donc jamais il y a eu une condamnation, seulement il y a eu des approbations. Et la campagne a continué parce que peu après il y a eu la campagne contre l'action française, et alors un membre assez élevé du gouvernement français, enfin de proche du gouvernement français, Louis Canet, sous le pseudonyme de Fontaine, qui était un janséniste du XVIIIe siècle, publie, alors ça au grand public, tout un dossier justement sur le Sodalizium Pianum, en mettant ensemble le Sodalizium Pianum, qui était pour le catholicisme intégral,
et l'Action française qui venait d'être condamnée, qui était par contre pour le nationalisme intégral. Ce n'était pas la même chose. Mais c'est à partir de ce moment-là, donc, que les gens congolais, etc., mettront dans le même sac des personnes qui avaient des ennemis communs, les ennemis communs, des amis communs, mais qui n'avaient pas les principes communs. Conséquence, donc, diabolisation de ce mouvement intégralement catholique, même parmi les bons. Cette diabolisation a cessé seulement au moment de la canonisation de Pie X. Alors les bons ont eu le courage de revendiquer ce sodalizium piano jusqu'au moment où le Concile a rediabolisé le tout. Alors, quant à nous, il s'agit de comprendre que leur guerre a été et la nôtre, que nous devons tout simplement continuer à poursuivre, bien sûr avec des moyens bien différents et surtout encore moindres que ceux qu'ils avaient, hein, et la situation s'est renversée totalement par rapport au temps de Jean-Pie X, mais nous allons continuer justement ce qu'ils faisaient, avec les mêmes principes, toujours au service de l'Église catholique romaine, évidemment contre ses ennemis qui maintenant ne sont plus les modernistes pourchassés, mais sont par contre ceux qui occupent illégitimement toutes les places de responsabilité dans l'Église. Et nous allons voir dans la conférence qui suivra que nous sommes bien loin de la fin de cette tempête, mais que les modernistes d'hier gouvernent clairement encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur l'Abbé. Je vais maintenant vous poser quelques questions qui viennent de l'auditoire. Que conseillez aujourd'hui à des jeunes gens pour éviter cette perversion de l'intelligence si redoutable du modernisme ? Et c'est une question très vaste. Évidemment, nous ne pouvons pas refaire le sodalizium piano tel qu'il était. C'est pas possible. On peut s'inspirer de ses principes. Je pense qu'il faut se former. Donc il ne faut pas seulement étudier, il faut se former de tous les points de vue, d'un point de vue spirituel, par une vie chrétienne solide, mais il faut se former intellectuellement, mais non pas en autodidacte. Et il faut prendre des guides sûrs et avoir une formation vraiment sur ces sujets dont on a parlé. Le modernisme, le libéralisme, la démocratie chrétienne, le catholicisme intégral, l'enseignement des papes, etc. Beaucoup de choses, nous pensons que nous les savons, mais en réalité, beaucoup de choses ne sont pas connues. Comment a été perçu le sodalizium pianum par les fidèles, si bien sûr ils en connaissaient son existence, et comment est-il perçu par les gouvernements civils? C'est intéressant. Ben, les fidèles n'en connaissaient pas tellement l'existence, mais ils connaissaient l'existence du mouvement catholique intégral. Je dirais que le simple fidèle était un catholique intégral sans le savoir, parce qu'ils étaient des catholiques, tout simplement, voilà. Les ennemis, c'était plutôt des modernistes, donc une minorité intellectuelle, dans le bon, dans le mauvais sens. Les gouvernements, par contre, non. Les gouvernements, je dirais, ils étaient pratiquement tous hostiles. Au sodalizium piano, il faut dire que le grand ennemi de Mgr Benigni a été Aristide Briand. Et il a tout fait pour éloigner Mgr Benigni, j'avais oublié de le dire, de la secrétaire d'État. Ce n'était pas le secrétaire d'État, mais il était le personnage numéro 3, numéro 4 de la secrétaire d'État. Oui, Briand était maçon. Et donc, Mgr Benigni était très connu par les gouvernements. On lui attribuait une influence importante, parce que la secrétaire d'État, c'est celle qui s'occupe justement de la politique du Saint-Siège. Lui, il était dans les affaires ecclésiastiques extraordinaires. Par conséquent, ils ont tout fait jusqu'au moment où ils sont arrivés à éloigner Mgr Benigni de la secrétaire d'État. De cette façon, Mgr Benigni a eu plus facilité d'agir, parce que ce qu'il faisait, c'était plus considéré comme officieux du pape, mais évidemment, il a eu moins d'autorité, si vous voulez. Donc les gouvernements s'en méfiaient et, comme on a vu, le gouvernement allemand a été mêlé dans l'affaire, mais tous les gouvernements s'en méfiaient, parce que tous étaient plus ou moins hostiles à l'Église. Monsieur l'Abbé, une question sur Benoît XV. Je cite la question sans prendre parti moi-même. En 1910, publié par Mgr de Lassus, le livre La Conjuration Antichrétienne, livre de base pour comprendre le modernisme.
entre 1912 et jusqu'à 1932, la RIS de Mgr Juin. Monsieur l'abbé, ces ouvrages devaient être connus de Benoît XV. Ah non seulement Benoît, alors pour Mgr de Lassus, je ne sais pas s'il le connaissait, c'est bien possible. Quant à la RIS, oui, parce que Benoît XV et le cardinal Gaspard ont toujours encouragé la RIS. Et ils ont fait deux documents qui, dans tous les numéros de la revue internationale des sociétés secrètes, étaient publiés, deux lettres qui n'étaient pas une formalité. Vous savez, parfois, quand on envoyait un livre à Rome, vous receviez une lettre de trois lignes de la secrétaire d'État, le Saint-Père a bien reçu votre livre, s'en félicite, et peut-être il avait presque pas lu, je dis il avait pas lu, mais enfin. Par contre, les documents, donc, ceux que le cardinal Gaspard et Benoît XV ont écrits à la RIS de Mgr Juin, c'étaient des véritables documents d'encouragement. Il faut quand même faire une nuance. Dans la RIS, écrivaient pas mal certains membres du Sodalitium Pianum, entre autres l'abbé Boulin, avec le nom de Colmé, Doré, etc. Mgr Benigni a écrit et a passé des documents, mais pas tous les auteurs de la RIS étaient à 100% sur la même ligne. Et justement, quand le Sodalitium Pianum était en fonction, la RIS n'a jamais été parmi les revues recommandées, même si eux-mêmes écrivaient dans la RIS. Il y avait quelques petites nuances que maintenant il est un peu trop loin de dire. En tout cas, donc, il ne faut pas penser que Benoît XV était ami de la maçonnerie ou des choses pareilles, tout au contraire, hein, donc il a toujours lutté contre. Seulement, la compréhension du danger, du problème, n'était pas celle de Saint Pie X, à mon avis, et cela a été regrettable. Quel a été le rôle du cardinal Méry Delval dans cette lutte contre les prélats modernistes ? Important, il était certainement l'homme de confiance de Saint Pie X, mais Mgr Benigni pensait que le cardinal Méry Delval avait trop peur, il était trop timide, alors qu'on a dit que le cardinal Méry Delval c'était celui qui poussait Saint Pie X. Je pense que Saint Pie X était plus ferme encore. Le cardinal Méry Delval venait d'une école de diplomatie, et donc il le faut d'ailleurs, il faut aussi des diplomates. Donc en réalité, parmi les cardinaux, il y en a beaucoup qui ont soutenu le Sodalitium Pianum, mais les deux qui l'ont soutenu le plus n'ont pas été le cardinal Méry Delval, ont été le cardinal Gaetano Delai, qui mérite d'être mieux connu, et le cardinal Vives y Tuto, espagnol. Ce sont eux qui ont mieux compris, je pense, mieux encore que Méry, la situation. Quels furent les rapports de Mgr Benigni avec le cardinal Mariano Rampolla del Tindaro? Ils se connaissaient, je pense qu'ils se connaissaient bien, parce oui. Que Mgr Benigni était dans le mouvement catholique intransigeant, et le cardinal Rampolla, en tant que secrétaire d'État de Léon XIII, avait des rapports très étroits avec tout le mouvement catholique. Quant au jugement de Mgr Benigni pour Rampolla, voici le jugement qu'il portait sur le cardinal Rampolla, pris sur le vif. C'est publié ici, dans un ouvrage de référence. Il y a trois grands ouvrages, Intégrisme et catholicisme intégral, dans lequel sont publiés les documents qui ont été confisqués, Catholicisme, démocratie et socialisme, c'est l'avis de Mgr Benigni. Les deux sont écrits par Émile Poulain, qui n'est pas de notre bord, mais il est sérieux comme écrivain. Et l'autre, La Disquisition, qui a été publiée par le Courrier de Rome, donc de fait par l'abbé Duchala, qui n'est pas de notre bord non plus. Mais enfin, il a fait quelque chose de très bon. Mgr Benigni, peu avant la mort de Saint Pie X, 1913, il faut savoir que Saint Pie X, comme tout le monde, avant de mourir, a été malade. Et quand un pape est malade, on commence à travailler pour le prochain, même s'il ne faudrait pas, mais nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Et alors, évidemment, il y avait tout le monde pensait au successeur et au conclave. Alors, Benigni avait fait une liste des cardinaux qui auraient voté, et à côté de chaque liste, il a mis un jugement, très bref. Le seul pour lequel il parle un peu plus, c'est Rampolla. Voilà ce qu'il dit.
Rampolla-Curie. Homme supérieur, esprit plein d'illusions, rêveur, le Jules Verne de la politique ecclésiastique, le Crispi, c'était un ministre de l'Italie, le Crispi du gouvernement papal, et puis fini mégalomane. Bon, point. Mais de toute cette liste de cardinaux, puisque quelqu'un peut-être est intéressé aux questions de cardinaux francs-maçons, de toute cette liste de cardinaux, il y a un seul cardinal à côté duquel Monseigneur Benigni a mis les trois points avec un point d'interrogation. Et c'est le cardinal Agliardi, qui n'était pas ami de Rampolla. Le cardinal Agliardi a favorisé les modernistes de toute façon, on a trouvé plein de lettres. Voilà, il faut dire, Rampolla, il y a eu deux périodes. Pour ce qui concerne la première période où il a été le secrétaire d'État, il faut dire qu'il a été fidèle à la politique de Léon XIII. Et en Italie, puisqu'il faut juger un homme par tout ce qu'il a fait, il a été parmi les plus intransigeants pour la défense de la papauté et contre le libéralisme et contre le gouvernement maçonnique. La deuxième partie, sous le pontificat de Pilis, il a fait toute sa vie la fronde à Pilis. Jusqu'au moment où il a eu même des correspondances avec des modernistes pas mieux spécifiés, et Saint-Pédis nous parle de cela. Justement, il avait trouvé des lettres de Rampolla dans lesquelles Rampolla parlait de la mort prochaine de Pidis, n'est-ce pas? Il disait, voilà, préparons-nous parce que, enfin, il souhaitait presque cela. Et il faut dire que Rampolla est mort avant. Il est mort en décembre 1913, alors que Pidis, août 1914.